Présidence, bonjour. Je suis à l'Élysée. Présidence de la République, bonjour. Oui, je suis bien à l'Élysée. Présidence de la République, bonjour. Oui, bonjour madame. Déjà, bonne année. Bonne année à vous aussi, madame. Je vous appelle pour un petit renseignement. J'ai entendu le président dire qu'il fallait faire quelque chose le matin pour le pays. Puis je sais pourquoi. Ah ben alors, si vous savez pas, madame, c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider. Hein. Ben oui, mais il dit, demandez-vous tous les matins, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et justement, il vous dit, demandez-vous, madame. Il ne dit pas, demandez aux autres. Ben oui, mais j'arrête pas de me le demander depuis que j'ai entendu ça, et puis je trouve pas qu'est-ce que je peux faire. Ben, c'est parce qu'il y a rien à faire, peut-être, pour vous. Donc moi, je dois rien faire pour le pays. J'en sais rien, madame. Si vous cherchez, vous trouvez pas, c'est qu'il n'y a pas. Mais moi, je l'aime bien, voyez, le président. Donc, je voudrais lui faire plaisir, mais je sais pas, j'ai pas d'idée. Ben, moi non plus, madame. Peut-être que je peux lui faire un petit gâteau, lui déposer ou... Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je ne conseille pas, madame. Je dois chercher la réponse en moi. Oui. D'accord. Bah, vous m'avez bien éclairé quand même. Vous savez pas. Puis moi, je dois me demander à moi-même. Et si je trouve pas, c'est que j'ai rien à faire. Eh ben voilà. J'ai tout résumé? Oui, j'ai tout résumé, effectivement. Je vous laisse mon nom? Si vous voulez. Alors, c'est Anne Romanoff. Bonjour, vous êtes en relation avec le standard de Matignon. Matignon, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous voyez, j'ai écouté les vœux du président l'autre jour. Oui. Et il a dit, demandez-vous tous les matins, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Oui. Puis je me demande et je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Oui, mais vous avez pas un petit truc à me conseiller ou... Non, moi je ne sais pas. Écoutez, là je sais pas, là je vais pas vous renseigner aujourd'hui, j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Hein. Oh, vous êtes un peu nerveuse pour un... C'est pas ça, c'est que j'ai des appels qui attendent, je peux pas me permettre, je sais pas moi, il faut... C'est à vous, voilà, faites comme vous voulez, réfléchissez à ça, moi je veux pas parler en... Je vous sens au taquet là. Non. Et peut-être ce que je dois faire pour le pays, c'est ne pas vous déranger vous pendant que vous travaillez. Ça n'a rien à voir madame, faut pas tout mélanger. Au revoir. Assemblée nationale, bonjour. Oui, je suis à l'Assemblée nationale. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai un petit renseignement à vous demander. Dites-moi. J'ai entendu le président dire qu'il fallait se demander tous les matins qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le pays. Et je cherche, je trouve pas. Eh ben ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, chère madame? Vous savez pas non plus qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays? Que les gens déjà restent beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendus, voilà, qu'on arrête d'avoir peur du futur et de ressasser le passé pour mieux vivre l'instant présent, par exemple. Voilà. Oh, c'est beau ce que ça vous dites. Ça me convient bien, ça. Oui, c'est beau. Bah, je vais... Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, machin, on a quand même tous les jours, à notre réveil, la chance de vivre une autre journée. Et pour moi, la vie, c'est un cadeau, donc voilà comment je philosophe le matin quand je me réveille, moi. Oh, c'est beau, qu'est-ce que vous dites. Donc, moi, le matin, je dois profiter de la vie pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, c'est pas pour lui faire plaisir à lui, c'est pour me sentir bien dès que je débute ma journée, c'est tout. Voilà, je me dis chouette, encore une nouvelle journée de vie. Vive la vie. Vive la vie, voilà, c'est ça. Bonne année. Bonne année, madame, au revoir. Vive le président. Ça, c'est vous qui le dites.